Attention, il ne s'agit ni de la voiture du personnage de dessin animé Oui Oui, ni d'une voiturette sans permis. La Daihatsu Kopen, c'est un coupé cabriolet. Avec son mini gabarit, elle fait tourner les têtes. Sa face avant sexy et ses optiques avant lui donnent un regard attirant. La poupe, à la forme franchement arrondie, se caractérise par un béquet et ses deux sorties d'échappement. Les 850 kg de ce mini cabriolet sont entraînés par un petit 1,3 litre de 87 chevaux. Cette modeste motorisation lui assure tout de même des relances vigoureuses. Pour cela, il ne faut pas hésiter à monter dans les hauts régimes. Côté confort, la Kopen souffre d'un amortissement trop ferme et d'une mauvaise isolation phonique. Les longs parcours deviendront rapidement une punition. En revanche, la Kopen est un réel bonheur sur les petites routes de campagne. Sa conduite s'apparente à un gros karting et sa tenue de route étonne. La petite Daihatsu est plutôt bien équipée. Ainsi, nous retrouvons des magnifiques sièges en cuir rouge chauffant, une climatisation, une radio CD MP3, ou encore un volant sport Momo et des jantes en alliage de 15 pouces. Forcément, avec un tel gabarit, ne vous attendez pas à une habitabilité record. Les deux passagers seront à l'étroit et la garde au toit peu élevée permet difficilement au plus d'1m80 de monter à bord. Autre détail, le volant est situé beaucoup trop bas, et ce malgré les différents réglages proposés. Le volume de coffre, quant à lui, est correct, mais uniquement en mode capote refermée. Seul le 1,3 litre VVT de 87 chevaux est au catalogue. La Daihatsu Kopen est disponible à partir de 20 990 euros.